Voxivision et le mode multipage. Scanner un livre n'a jamais été aussi facile. Multipage. Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. On va donc parler aujourd'hui du Voxivision, l'appareil qui a donc reçu le Silmo d'or par les opticiens au Salon mondial de l'optique. Cet appareil est une vraie machine à lire de poche, une vraie révolution. Et tout ceci en offline, aucun besoin d'aller connecter le Voxivision pour qu'il puisse vous reconnaître du texte. On va passer donc au mode multipage, au mode lot, jusqu'à 50 pages. Allez, je vous montre tout de suite comment cela fonctionne. De multipage. Vous allez donc pouvoir créer des dossiers allant jusqu'à 50 pages, ce qui va vous permettre de numériser et de suivre un livre en temps réel. Le Voxivision est une machine utilisable dès le plus jeune âge et vous n'aurez aucune difficulté à vous servir de cet appareil en tant que machine à lire et en tant que loupe. Nous verrons cela bien sûr dans la suite de la vidéo. Tout type de documents dactylographiés, votre courrier, vos livres, vos notices, le Voxivision est là pour vous dans votre poche ou sur son support. Créez vos dossiers de 50 pages et lisez en toute tranquillité. Et surtout en toute accessibilité. Allez, on va placer donc le Voxivision sur son support. C'est parti. Positionnez le Voxivision sur le support de lecture pour mode multipage activé. Positionnez votre document. Une fois le Voxivision positionné sur son support, nous n'avons plus qu'à positionner le document sous le Voxivision, c'est très simple et le document est reconnu instantanément. Tant que vous avez les mains sous le Voxivision, rien ne se passe. Dès que vous les enlevez, écoutez. Extraction en cours. Page numéro 1 traitée. Positionnez la page suivante ou sauvegardez. Point fermé ou commande vocale sauvegardée. On est donc prêt à positionner notre deuxième document. C'est parti, on le positionne et comme toujours, tant que vous avez les mains sous le Voxivision, rien ne se passera. Juste quand vous allez enlever vos mains, la prise de photo se fera et la numérisation se fera automatiquement. Extraction en cours. Page numéro 2 traité. Positionnez la page suivante ou sauvegardez. Point fermé ou commande vocale sauvegardée. Allez, j'accélère le mouvement, on va faire comme cela 4 pages et on va découvrir ensemble le résultat. Mais ici, j'ai décidé de faire un petit tour au Voxivision. On va scanner cette page à l'envers. Donc on va mettre cette page, la troisième page à l'envers et voyons si le Voxivision va être capable de remettre cette page à l'endroit puisque on peut se tromper lorsqu'on numérise plusieurs pages à la fois. Extraction en cours. Page numéro 3 traité. Positionnez la page suivante ou sauvegardez. Point fermé ou commande vocale sauvegardée. Allez, on est parti pour la dernière et quatrième page. Extraction en cours. Page numéro 4 traité. Positionnez la page suivante. Passons tout de suite à l'enregistrement de ce document de 4 pages. Et pour cela, je vais utiliser la technique du point fermé. Vous vous mettez face au Voxivision, vous tendez le point sous le Voxivision, sous le support. Écoutez ce qui se passe. Document de 4 pages sauvegardé avec 2 multipages. Maintenant, nous n'avons plus qu'à aller dans la galerie et récupérer le document et le lire en toute accessibilité. 4. Galerie. 1. Reconnaissance de texte. Donc c'est bien dans Galerie et reconnaissance de texte que l'on va retrouver nos dossiers qui ont été numérisés en mode multipage. Reconnaissance de texte. Multipage 10. Dans un premier temps, les fichiers sont nommés sous forme de multipage 1, multipage 2, 3, 9. Etc. Ici, on est sur le mode 10. Multipage 10. Total 4 pages. Page 1. S'approprier. Réaliser.
Tailback Pro. Probabilité. Activité montrée que deux événements sont indépendants. Le document AT, il a un défaut. Marilyn s'occupe des photocopies au service reprographie de son entreprise. Le responsable du service lui indique que 5% des documents photocopiés présentent un dépôt. Tout simplement, on posera un doigt sur l'écran et on reposera un doigt sur l'écran pour arrêter et reprendre la lecture. Et oui, avec votre Voxivision, vous allez pouvoir circuler de page en page, soit par le biais des boutons sur votre Voxivision ou vocalement, en demandant tout simplement page numéro 1, etc. Je vous montre ça tout de suite. Probabilité. Oh, à arbre de probabilité. Page 3. Tailback Pro. Page 3. Page 2. Tailback Pro. Page 1. S'approprier. Réaliser. Tailback Pro. Probabilité. Pause. Souvenez-vous, lors de ma première présentation du Voxivision, je vous avais parlé d'une télécommande Bluetooth. Donc, on peut parler à notre Voxivision et on pourra lui demander de circuler sur les pages désirées vocalement. Je vous montre ça tout de suite. Page numéro 4. Page 4. Tailback Pro. Probabilité. Activité. Montrer que deux événements sont indépendants. Page numéro 2. Page 2. Tailback Pro. Probabilité bilan. Oh, à arbre de probabilité. Un arbre de probabilité représente une situation aléatoire donnée. Les nœuds de l'arbre modélisent les événements de la situation. Page numéro 3. Page 3. Tailback Pro. Probabilité bilan. À arbre de probabilité. Un arbre de probabilité représente une situation aléatoire donnée. Les nœuds de l'arbre modélisent les événements de la situation. Chaque branche porte la probabilité de l'événement auquel elle aboutit. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud. Pause. Et comme je vous ai déjà dit, le Voxivision est entièrement gérable à la voix. Alors bien sûr, avec le Voxivision, on pourra renommer, supprimer, traduire, je vous montre ça tout de suite, c'est vraiment idéal comme appareil pour pouvoir faire tout ça en toute simplicité. Ici, on parle d'un appareil simple. Vous allez me dire, il existe les iPhones, il existe Lookout, il existe Seeing AI. Oui, je suis complètement d'accord avec vous, mais aujourd'hui, on parle d'un appareil simplifié pour un certain public et on ne parle pas d'iPhone, on ne parle pas de smartphone en général, c'est sûr. Tout le matériel spécialisé a un coût. Voilà pourquoi je vous présente un maximum de matériel accessible. 2. Recommencer au début. Lorsque vous avez quitté votre document, on pourra donc recommencer au début du document ou relancer où on s'était arrêté. 1. Reprendre la lecture en cours. D'un événement est la somme des probabilités des chemins qui conduisent à cette pause. Donc, deux manières de pouvoir renommer le document, soit par le biais du tactile, soit par le biais de la télécommande. Donc, par le biais du tactile, on va aller se positionner au milieu tout en bas de notre Voxivision. On va appuyer sur ce bouton et regarder ce qui se passe. 1. Renommer. 2. Supprimer. 3. Traduire. On a donc trois choix. Renommer, supprimer ou on pourra même traduire dans différentes langues. 1. Renommer. Ce qui nous intéresse, c'est de renommer ce document qui porte le nom de Multipage 10. Et on va se faire plaisir, pourquoi pas le faire vocalement. Dépendant si la réalité pose. Renommer. Appuyez sur le bouton micro ci-dessous pour renommer votre fichier. Micro. Document BAC. Document BAC. Fichier renommé avec succès. Bingo, notre document a été renommé avec succès, sans difficulté. L'événement A et B sont... Pause. Et si on passait à la traduction, c'est parti. Traduire. 1. Vers anglais. 2. Vers espagnol. Valider. Página 1. S'approprier. Darse cuenta de. Tailback Pro. Probabilidades. La actividad muestra que dos eventos son independientes. El documento. Alors, passer d'un document en français, anglais, espagnol, italien, portugais n'a jamais été aussi facile avec le Voxivision. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Avez-vous déjà vu une machine à lire aussi puissante sur le marché? Documento tiene una falla. Marilyn se encarga de las fotocopias. 3 vers allemand. 4 vers italien. 5 vers néerlandais. 6 vers portugais. 7 vers russe. 8 vers japonais. 9 vers chinois. 10 vers thaï. Bas de page. Et une fois avoir traité votre document, vous allez tout simplement pouvoir le supprimer à la voix en donnant le mot-clé supprimer. Souhaitez-vous supprimer le fichier? 1. Oui. Suivant. 2. Non. Valider. ANB égale PAI. Voilà donc comment numériser, scanner, être entièrement autonome à la lecture de son courrier, à la lecture des notices, enfin à la lecture de tout ce qui est dactylographié aujourd'hui sur le marché avec votre Voxivision. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. Restez connectés, abonnez-vous, mettez un petit j'aime pour encourager la chaîne auprès de l'algorithme de YouTube. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage moi-même à vous faire encore plus de contenu. Et d'ailleurs, je vous ferai d'autres contenus sur le Voxivision. Allez, à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. Salut à tous !